Je vous explique les règles de Miniville, aussi connu sous le nom de Machikoro, un jeu pour 2 à 5 joueurs de Masao Suganuma, illustré par Noboru Ota, Yann Parovel et Mirko Suzuki, et édité par Sorry We Are French, dans lequel vous construisez votre ville à l'aide de cartes et tentez de la rendre la plus attractive possible. Chaque joueur place les deux établissements de départ, le champ de blé et la boulangerie, devant lui face visible, ainsi que les 6 monuments sur leur face chantier. Les autres cartes à dos jaune sont écartées de la partie. Chaque joueur reçoit 3 pièces, les autres sont placées au centre de la table pour former la banque. Mélangez toutes les cartes rouges, vertes, bleues et violettes. Placez la pioche ainsi obtenue au centre de la table et révélez les 9 premières cartes. Si vous piochez 2 cartes identiques, mettez-les les unes sur les autres et continuez à en révéler jusqu'à avoir 3 lignes de 3 établissements différents. Le joueur ayant visité un parc d'attractions le plus récemment commence la partie. À votre tour, lancez le ou les dés. En effet, après avoir construit la gare, il vous sera possible de lancer un second dé si vous le souhaitez. Déclenchez ensuite les établissements qui correspondent au résultat du lancer de dés. Les établissements rouges des autres joueurs vous obligent à leur donner des pièces, c'est un paiement. Les établissements verts vous fournissent des revenus de la banque pendant votre tour. Les établissements bleus vous fournissent des revenus de la banque pendant le tour de n'importe quel joueur. Et enfin, les établissements violets vous permettent de percevoir des revenus des autres joueurs pendant votre tour. Si, pendant votre tour, vous devez payer un autre joueur et percevoir des revenus, payez-le d'abord dans la limite des pièces de votre réserve et percevez ensuite vos revenus. Si vous devez payer plusieurs joueurs, réglez vos comptes en sens anti-horaire. Il vous est ensuite possible de construire un nouveau monument en vous acquittant de son coût et en retournant la carte, ou vous pouvez construire un nouveau bâtiment. Pour cela, prenez-le parmi les cartes visibles et payez son coût à la banque. Vous pouvez posséder plusieurs exemplaires de chaque établissement, sauf pour les violets. Vous ne pouvez construire qu'un seul bâtiment maximum par tour, mais vous pouvez aussi choisir de ne rien construire du tout. Si, à la fin de votre tour, vous avez moins de 2 pièces devant vous et que vous n'avez construit aucun monument ou bâtiment, récupérez autant de pièces que nécessaire depuis la banque pour en avoir toujours 2. Puis c'est au joueur suivant de faire ses actions, en commençant par lancer le ou les dés. Si, à n'importe quel moment de la partie, une pile d'établissements se vide, piochez autant de cartes que nécessaire afin de reconstituer 9 piles face visibles. La partie prend fin immédiatement lorsqu'un joueur construit son 5e monument. Il remporte alors de ce fait le jeu. Bonne partie !